ça me fait vraiment grand plaisir, surtout que c'est à Maurice d'être championne d'Afrique à nouveau, une deuxième fois. Pour moi, c'était de me donner à max. La concurrence, c'était moi-même. Certes que c'était pas le même niveau qu'en 2016. Mais en 2016 aussi, j'avais dominé la concurrence. Et c'est toujours une fierté d'avoir ces trois médailles là-haut. Et c'était facile aujourd'hui ou un peu compliqué quand même? Dès le premier bas, j'avais déjà achevé la concurrence. Mais je voulais aller chercher plus loin, améliorer ma performance, aller à donner un nouveau record. Mais malheureusement, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Mais l'important, c'était d'avoir les médailles. Maintenant, triple médaillée d'or africaine. Quels sont tes objectifs pour l'année 2017 désormais? Là, actuellement, je vise les championnats du Commonwealth. Vu que je suis déjà qualifiée pour les Jeux du Commonwealth actuellement. Donc, c'est aller à quoi aller chercher un podium encore pour les Commonwealth. À qui tu dédies cette victoire aujourd'hui? Je dédie cette victoire à toute ma famille, à quelqu'un que tout le temps je vais dédier mes médailles, à Ivan Pierrot, et au public qui était venu me soutenir, et à l'ensemble de l'île Maurice. C'est une victoire pour l'île Maurice aujourd'hui. D'avoir encore une nouvelle fois une championne d'Afrique, et j'espère que ça ne se sera pas en vain.